Good morning, allez, Iden les sur aujourd'hui, le Nishmat Richaron Ben Fortune Mazal, Claude Israël Ben Fortune Mazal et Dani Myriam Bat Élisée Elisa Sayak. Si vous souhaitez vous aussi d'aider notre prochaine étude, de Mishnah contacter la 5 minutes éternelle. Nous étions à Sechet Yuma, Perek Dalet, Mishnah Dalet. Bechol Yom Aya Chote Bechel Kesef ou Meare Betor Shel Zahav. Ve Ayom Chote Bechel Zahav ou Baaya Machnis. Bechol Yom Chote Bechel Arbat Kabin ou Meare Betor Shel Shloshet Kabin. Ve Ayom Chote Bechel Shloshet Kabin. Ou bien il y a un machnis. Rabbi Yossi Omer, Bechol Yom Chote Bechel Se'a ou Mare Betor Shel Shloshet Kabin, Vayom Chote Bechel Shloshet Kabin, ou bien il y a un machnis. Bechol Yom Aita Kveda Vayom Kala, Bechol Yom Aita Yada Ktsara Vayom Aruka, Bechol Yom Aya Zehava Yanrok Vayom Adom Divrei Rabbi Menachem, Bechol Yom Makriv Pras Beshacharit ou Pras Ben Arbaim Vayom Mosif Melochufnav, Bechol Yom Haïta Daka, Vehayom Daka Minadaka. On a une Mishnah qui évoque six différences entre la Ktoret que l'on a portée tous les jours de l'année et la Ktoret qu'on a portée spécialement dans la Veda de Yom Kippour. C'est-à-dire, pour rappel d'abord, bien sûr, on est dans la Veda de Yom Kippour, dans le deuxième tronçon, une fois que le Kohen Gadol a commencé à faire le Big Days Av, il a commencé à faire le Korban Tamid et la Veda du matin. La Ktoret aussi du matin. Après, il a mis les bigdei lavan. Il a commencé à faire le vidouille sur le par. Premier vidouille. Tiré au sort les deux seirim. Il est revenu faire le deuxième vidouille sur le par. Il a déjà fait la shrita. Dans la mishnah précédente, on avait vu qu'il donnait, il transmettait ensuite le sang à un Kohen qu'il faisait tourner pour ne pas que ça, pour ne pas que le sang coagule, qu'il se durcisse. Du coup, ensuite, on avait commencé à évoquer dans la mishnah que maintenant, il allait s'occuper de ramasser les braises pour la Ktoret. On avait dit qu'il montait, qu'il ramassait des braises et qu'il les posait par terre, en attendant qu'ensuite il va revenir dessus pour les prendre, il va revenir vers elle pour les prendre et les faire rentrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim pour faire brûler l'encens. Notre Mishnah, elle va pour le moment évoquer six différences entre le rituel classique de la Ktoret qu'on apporte tous les jours et le rituel et la Ktoret de Yom Kippour spécifiquement. Première différence, Bechol Yom Ayachote Bechel Kesef ou Me'are Betor Shel Zahav. Tous les jours, il fallait être choté bechal kesef, ramasser les braises. L'achtot begechalim, c'est ramasser les braises. Donc, il ramassait les braises bechal kesef avec une pelle en argent. Ou me'are betor shel zav, il l'a transvasé dans une autre pelle qui était en or. Ve'ayom et ayom kippour, choté bechal zahav, ou ba aya machnis. Ayom kippour, il ramassait les braises directement avec une pelle en or, et il la faisait entrer. C'est-à-dire, pour faire brûler l'encens d'abord, bien sûr, il faut des braises. Pour transporter des braises, il faut une pelle ou une cave, je ne sais pas comment c'est dit en bon français, je suis sûr d'avoir un beau mot, pour ramasser, avec laquelle on ramasse les braises. Maintenant, l'ustensile qu'on utilise pour mettre dans le feu et les ramasser, à la longue, il s'use, il perd, d'accord, ça brûle un petit peu, une petite pellicule. Du coup, tous les jours, pourquoi provoquer des pertes un peu superflues, inutiles? Alors du coup, on ramassait tous les jours les braises avec une pelle en argent, qu'on transmettait dans de l'or, on voulait faire entrer dans le Echal, dans le sanctuaire, avec une pelle en or, parce que c'est plus honorable, mais malgré tout, pour ne pas qu'elle s'use pour rien, alors on la ramassait avec une pelle en argent. À Yom Kippour, on a un grand souci, en fait, qui va expliquer plusieurs détail de notre Mishnah, c'est qu'on n'a pas envie de fatiguer le Kohen Gadol à lui ajouter trop de travail. Il a déjà énormément de travail, il a toute Maserhet Yuma à mettre en pratique. C'est un long avoda. Donc du coup, on lui facilite la vie. Pour une fois par an, c'est pas grave, qui ramasse les braises directement avec la pelle en or et qu'il la prenne pour aller directement dans le Kodesh Kodashim sans avoir besoin de transvaser, de se soucier avec deux pelles. Ok? Maintenant, Bechol Yom, Chote Bechel Arbaat Kabin, ou Meare Betor Shel Shloshet Kabin. Tous les jours, il fallait, puisqu'il transvasait, il fallait d'abord ramasser les braises avec une pelle qui avait une taille de 4 cabines, 4 caves. Rappelez, F-A-C-A, cave, log, beitza. Donc on est dans le troisième, la cave. 3 caves. Et il ramassait avec une pelle qui faisait 4 caves, ou Meare Betor Shel Shloshet Kabin. Et puis, une fois qu'il redescendait du Kevesh, de la rampe du Misbeach, il a transvasé dans une pelle qui contenait 3 caves. Étant donné que quand tu ramasses des braises et qu'après tu marches 32 amas, ça fait 16 mètres,
tu les descends et puis tu vas tourner, tu vas. Ça risque de se. On va perdre un petit peu dans le volume. Or, la Mishnah, la mesure exacte pour faire une bonne ktoret, c'est 3 kavines. Du coup, il ramasse avec 4, il transvase dans 3, et comme ça, il a une quantité bien pleine. Ça, c'était tous les jours. Par contre, Vehayom, et aujourd'hui, Ayom Kippour, Chote Bechel, Shloshet Kabin, ou Baria Machnis. Il ramassait directement avec une pelle de 3 kabines, et puis c'est bon, il partait avec, et il la faisait entrer directement, sans avoir besoin de transvaser de nouveau. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi précise, non, c'était pas que tous les jours il y avait 4 et 3, mais Bechol Yom, Ayachote Bechel Sea, tous les jours il ramassait avec une pelle qui faisait une Sea, selon la mesure FACA Kavlog, et les coefficients Goudo, Gimel Vav, Dalet Vav, donc on a CA et CAV. CA, CAV, on a en facteur le VAV. Donc 6. Une CA, ça fait 6 CAV. La Gemara explique que ce n'est pas exact. Mais en tout cas, comme ça, on traduit la Mishnah, on avance plus vite. Il y avait 3, donc une CA, donc l'équivalent de 6 CAV, en fait c'était 5 CAV, la Gemara explique. Et on met un rêve et hors shell, chlochette cabine, et transvasé dans une autre pelle qui contenait juste 3. Comme ça, on a une pelle bien pleine de braise. Mais aujourd'hui, Ayom Kippour, il ramassait directement avec l'appel de 3 et il la faisait entrer directement au Kodesh et Kodeshim. Bechol Yom Aita Keveda, Ve'ayom Kala. Tous les jours, Ve'ayom Kala. Tous les jours, alors littéralement, cette pelle, elle était lourde. Ve'ayom, la pelle en or, une fois qu'on avait transvasé, elle est encore lourde. Ve'ayom Kala, aujourd'hui, elle était légère. En fait, lourde et légère, on parle plutôt de l'épaisseur. Des parois de la pelle. La pelle, j'imagine, qu'elle était un peu. C'est une sorte de cuillère, un peu. Qui pouvait contenir une bonne quantité de 3 cabines, en l'occurrence. Eh bien, pour qu'elle soit bien solide et bien stable, on lui mettait elle avait une grosse épaisseur. Ayom Kippour, elle était fine, de nouveau, pour alléger le Kohen Gadol, qui n'a pas besoin de se fatiguer avec une pelle qui pèse lourd. Il va devoir la prendre dans le Kodesh Kodashim. Il y aura assez de soucis et de prises de tête pour bien faire les choses. Puis en plus de ça, sera ajouté des challenges un peu plus compliqués. Tous les jours, la poignée était courte. Et aujourd'hui, elle était plus longue. En fait, il fait céder avec la manche. C'est-à-dire, on va voir comment il devait transporter. La pelle avec la ktoret. Il avait deux pelles en fait dans les mains, comme on verra plus tard. Et maintenant, il va devoir les porter et partir jusqu'à dans le Kodesh et Kodeshim avec, pour qu'il puisse s'alléger un peu le poids. Alors, on lui faisait. Elle était plus légère en soi-même. Et en plus de ça, elle avait un manche plus long, comme ça, il pouvait la fixer avec son avant-bras. J'ai vu qu'il y en a qui expliquent qu'il a fixé sous l'aisselle plutôt. Mais j'ai pas en tête là maintenant, il me semble que j'avais vérifié que c'était pas clair. Qu'est-ce que ça pouvait poser des problèmes, qu'il fallait porter nécessairement avec la main. Je ne veux pas m'engager. En tout cas, le Bartanura, il nous traduit comme ça. Je vous lis le Bartanura, qui n'est chez Zroa Shel Kohen Gadol Mesayato. Ok. Ensuite. Bechol Yom, on avait dit. Bechol Yom Aya Zehavaya Rok Vayom Adom. Tous les jours. Divrei Rabbi Menachem. Une petite précision de Rabbi Menachem. Il nous dit que tous les jours, son or, alors littéralement, l'or il était vert, mais aujourd'hui c'est un or rouge. Il faut savoir que c'est fréquent que le vert dans la Mishnah, je ne sais pas pourquoi, mais c'est en fait le jaune. C'est fréquent dans Nida, on parle souvent de Dam Yarok, on parle de Dam Tsaouf. D'accord ? Donc, là pour le moment, quand on veut dire quelque chose qui est vraiment vert, on dit Yarok Kekarti. Peut-être parce que le vert est un peu pâle, il tend vers le jaune. En tout cas, tous les jours, l'or, on prenait un or qui était Zahav, Yarok, qui était donc un or jaune, un or qui tendait au vert, ou brillant, comme ça. Mais aujourd'hui, on prenait un or rouge spécifiquement, parce que l'or rouge, il s'appelle, nous dit le Bartanura, qui s'appelle Dam. Je ne sais pas comment il faut dire ce mot, Parvim, ça fait penser à Parim, et donc on pense aux dames des Parim, du taureau du Kohen Gadol. C'est une petite allusion, petite allusion supplémentaire. Bcholiom makriv pras bechacharit ou pras banar baim, tous les jours. Il fallait apporter juste une quantité de un pras, c'est une taille, une pièce, un poids d'une pièce de un mané. Bechar un pras, donc apporter une demi-pièce
le volume d'une demi-pièce à Shacharit le matin, on passe Ben Arbaim et la demi-pièce l'après-midi. C'est comme ce qu'on dit dans le Torah, Machatzito Baboker ou Machatzito Ba'arev. Ouais, on dit il a porté un manet tous les jours, et Machatzito Baboker, Machatzito Ba'arev. Dans les Ashkenaz, dans la Nosach, la Ktoret des Ashkenaz, ils disent Pras ve Shacharit ou Pras Ben Arbaim, comme c'est écrit dans la Mishnah ici. Ve'ayom, aujourd'hui, Mosif Melochofnav, en plus d'apporter cette quantité de doctorate qui faisait 3 et un demi manet, que je ne sais pas exactement combien ça fait, mais en tout cas, en plus de cette quantité, il fallait en plus qu'il apporte Melochofnav une poignée pleine, mais deux poignées, ce qu'on attrape les deux ensemble, c'est ça ce qu'on appelle Melochofnav. Il devait apporter une quantité comme ça, doctorate, chaque Kohen selon sa taille. Tout ça sera bien précisé, bien sûr, plus tard. Bechol yom aita daka, la yom daka mina daka. Tous les jours, il fallait apporter une torette qui était daka, fine, bien écrasée. Cette yom kippour, il fallait daka mina daka. Une fine de chez fine, en deux mots. Fine de fine, donc spécialement, elle était moulue encore plus. Je réclame mina adek, et il fallait qu'elle fasse encore plus moulue. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.